Imaginez que vous êtes un raffineur de cobalt multimillionnaire. Vous vendez du cobalt raffiné, un métal essentiel utilisé pour fabriquer des batteries, des smartphones, des voitures électriques et des ordinateurs portables à des entreprises telles que Tesla, Apple, Samsung et Microsoft. Votre entreprise est responsable de répondre aux besoins constants du monde en matière de nouvelles technologies. Sans vous, tous ces nouveaux appareils tels que les iPads, les montres connectées et les véhicules électriques n'existeraient pas. Ils n'auraient même pas été inventés. Il y a 15, 20, 25 ans, les mines de cobalt étaient en mauvaise posture. Elles perdaient de l'argent, faisaient faillite et fermaient partout. Les batteries lithium-ion qui sont utilisées aujourd'hui dans l'électronique étaient connues depuis des années. Mais à l'époque, les téléphones et les ordinateurs de bureau devaient encore être branchés. Il n'y avait pas de réelle demande pour ces batteries. Mais alors est arrivée la révolution technologique. À la fin des années 90 et au début des années 2000, des entreprises comme Motorola, Apple et Microsoft ont commencé à commercialiser tous les nouveaux appareils rechargeables. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous un téléphone portable? Oui, en effet. Eh bien, tout à coup, tout le monde devait avoir un téléphone portable, des ordinateurs portables, et au centre de tout cela se trouvait le cobalt. Chaque nouvel ordinateur portable et téléphone portable avait du cobalt dans ses batteries. Sans cela, la batterie ne durerait pas longtemps, voire pourrait prendre feu. Et depuis les années 90, la demande de cobalt a explosé. En 2011, une livre de cobalt coûtait environ 18 dollars. Aujourd'hui, cette même livre de cobalt coûte environ 32 dollars et cela ne ralentit pas de sitôt. Surtout lorsque les voitures électriques sont sur le point de conquérir le monde et c'est là que vous intervenez en tant que raffineur de cobalt. La République démocratique du Congo produit plus de 70% du cobalt mondial. Et comme d'autres pays africains où règne la corruption, cela vous offre une opportunité comme aucune autre. Vous pourriez acheter du cobalt directement auprès des sociétés minières internationales légitimes en République démocratique du Congo. Ce serait la chose légale et éthique à faire, mais cela ne vous rapporterait pas beaucoup de bénéfices. Ces entreprises facturent des prix standards pour leur cobalt, ne vous laissant aucune marge de manœuvre pour la négociation. Alors vous utilisez une alternative, une façon beaucoup plus facile d'obtenir du cobalt bon marché afin de réaliser plus de bénéfices que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Je parle bien sûr des mines informelles, des mines creusées par des Congolais ordinaires, sans équipement de sécurité, sans assurance médicale, sans congé maladie, avec une main-d'œuvre très diversifiée, composée de tout le monde, des enfants de 4 ans aux grand-mères de 80 ans. Oui, je parle du travail des enfants. La voie la moins chère et la plus facile pour acheter du cobalt à des prix très bas. Le gouvernement local appelle cela l'exploitation minière artisanale, un nom qui semble très agréable pour l'une des industries les plus meurtrières du pays. Mais pourquoi devriez-vous vous en soucier? Vous êtes assis à des milliers de kilomètres du Congo. Vous ne vous souciez pas des enfants qui meurent dans les puits de mines et qui se tuent à la tâche pour vous. Pour vous, tout est une question de chiffres. Et tant que le monde sera obsédé par le dernier iPhone, vous continuerez à engranger des milliards. Bienvenue sur Diaspora d'Art. Ici, nous explorons la face cachée de l'iceberg en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Et voici le cobalt, le minerai de sang. Juin 2014, un homme congolais vivant dans une petite ville commence à creuser un trou dans sa cour arrière. Selon ses voisins, il prévoyait de construire une nouvelle toilette. À environ 8 pieds de profondeur, il découvre quelque chose d'étrange. Sa pelle heurte une dalle de roche dure. Alors qu'il se débat pour enlever la dalle, il remarque quelque chose d'autre. Ce n'est pas juste une vieille roche ordinaire. Elle contient du cobalt. La pierre grise est striée de turquoise vif et de noir. S'il pouvait l'extraire du sol sans que personne d'autre ne le remarque, il deviendrait riche. Alors, l'homme est rentré à l'intérieur comme si de rien n'était. Mais quand le soir est venu,
Il a soulevé les carreaux de son salon et a commencé à creuser à partir de là. Personne n'aurait pu deviner ce qu'il a trouvé. Leur seul indice étaient les bruits forts de ferraille provenant de la maison dès que le soleil se couchait. Puis un jour, agacé par tout le bruit provenant de la maison, le propriétaire est arrivé. Lui et l'homme ont eu une dispute et l'homme s'est enfui dans la nuit. En quelques mois, il a extrait du cobalt et a gagné près de 10 000 $. Dans un pays où la plupart des familles vivent avec moins de 2 $ par jour, c'était une petite fortune. Peu de temps après, la nouvelle s'est répandue et tout le monde dans cette même ville se mettait à creuser pour trouver du cobalt. Ils faisaient des trous dans leur cour, dans leur salon et même dans leur cuisine. C'était comme si vous découvriez de l'or ou du pétrole sous votre maison et c'était dans la nature humaine d'essayer de le trouver, peu importe les risques. Même si ce qu'ils faisaient était illégal, personne dans la ville ne s'en souciait. Ils n'allaient pas rester là sans rien faire en sachant que des richesses inimaginables se trouvaient à seulement 8 pieds sous leur table de cuisine. La République démocratique du Congo, ou RDC, est en fait le pays qui abrite la plus grande réserve de cobalt au monde. Mais c'est également l'un des plus pauvres. Ils n'ont pas l'équipement coûteux nécessaire pour extraire le cobalt du sol en toute sécurité et efficacité. Tout comme les pays pétroliers pauvres, les sociétés minières internationales sont intervenues et ont conclu un accord avec le gouvernement pour extraire du cobalt à leur place. Mais tout comme les pays pétroliers pauvres, cet argent ne profite vraiment pas au peuple congolais. Dans la plupart des cas, même si vous parvenez à obtenir un emploi dans l'une de ces mines reconnues mondialement, vous auriez du mal à joindre les deux bouts. Le peuple congolais était abandonné à la souffrance pendant que les entreprises transnationales exploitaient leur pays et leurs ressources les plus précieuses. Donc, au lieu d'espérer un jour être employé par Glencore ou une autre compagnie minière, des groupes d'hommes congolais appelés Clusas créent leur propre entreprise minière artisanale. Cela a commencé en 1998 après que le président de la République démocratique du Congo a laissé la corruption détruire la seule mine d'État du pays. Il a en fait dit aux Congolais de chercher eux-mêmes du cobalt. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Clusas se formaient en quelque sorte en cartel avec des chefs et des ouvriers qui contrôlaient des territoires spécifiques. Mais contrairement aux mines réglementées qui répondent aux normes internationales, les Clusas n'avaient pas à se soucier des choses ennuyeuses comme les droits de l'homme, les avantages sociaux ou la sécurité. Ils devaient seulement exploiter leur propre population au lieu de laisser les conglomérats internationaux exploiter leur population à leur place. Et le moyen le plus efficace et rentable de le faire était d'embaucher des enfants, bien sûr. Le cobalt pourrait ne pas être toxique pour le reste du monde, mais pour les enfants qui travaillent dans les mines en RDC, c'est mortel. Chaque jour, des enfants âgés de 3 à 18 ans, oui, vous avez bien entendu, à partir de 3 ans, se dirigent vers les mines artisanales. Là-bas, ils ont différents emplois en fonction de leur âge et de leurs compétences. Pendant que les hommes adultes creusent sous terre, les garçons les plus jeunes apprennent à extraire des morceaux de cobalt du sol en surface. Les enfants les plus âgés transportent les sacs. Chaque sac pèse environ 40 kg et la plupart de ces enfants en transportent environ 240 par jour, pendant 12, 14 ou même 16 heures par jour. Les enfants traînent les sacs de cobalt depuis les ouvertures de la mine jusqu'aux camions qui attendent. Chaque fois que ces enfants respirent, ils inhalent des tonnes de cobalt et de poussière. S'ils ont la chance de ne pas être tués dans un effondrement de la mine ou de mourir d'épuisement, ils finiront probablement par souffrir d'empoisonnement au cobalt, des problèmes respiratoires, de lésions organiques, de cécité, de surdité et de maladies cardiaques, tous causés par l'exposition au cobalt. Il y a quelque chose avec quoi ces enfants doivent composer tous les jours. Les médecins affirment que le nombre de personnes tombant malades est préoccupant. Nous recevons beaucoup de jeunes garçons et filles. Parfois pour des blessures causées par les effondrements des mines, parfois pour des maladies sexuellement transmissibles. Les gens ne portent pas de vêtements de protection. Donc, chez les femmes, nous constatons des malformations congénitales et des fausses couches dues à l'exposition au métal. Et ce n'est pas tout. En raison des femmes et des filles qui travaillent dans les mines, elles ont encore plus de problèmes. Les jeunes filles sont laissées pour compte tous les jours. Il est difficile de donner un chiffre précis, mais nous savons que cela se produit beaucoup. On peut dire qu'elles ont été abusées par le changement de leur comportement. La pauvreté chez elles
les contraint à venir ici. Certains n'ont même pas 14 ans et ont déjà des enfants. Nous sommes ici parce que nous souffrons. Nous n'avons rien à manger. Les compagnies minières étrangères ne nous donnent pas de travail. Elles s'enrichissent avec nos minerais, mais nous continuons à travailler. Sur cette ère de jeu de l'enfer, ces enfants détruisent leur santé et risquent leur vie pour moins d'un dollar par jour. Mais pour un raffineur de cobalt, millionnaire comme vous, c'est exactement ce que vous aimez. Une fois que le cobalt est emballé dans des sacs et chargé dans des camions, il est envoyé au dépôt de cobalt le plus proche. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Voyez-vous, si vous êtes un raffineur mondial de cobalt qui vend à des entreprises réputées comme Apple et Tesla, vous ne pouvez pas simplement acheter du cobalt extrait par des enfants. Vous seriez condamné, censuré et traduit en justice en un clin d'œil, tout comme vos clients comme Apple seraient également condamnés et censurés, etc. Pour mettre la main sur tout ce cobalt bon marché, vous avez besoin d'un peu de plausible déniabilité, dénégation plausible. Et voici comment cela fonctionne. Premièrement, vous achetez du cobalt à des sociétés minières légitimes et respectueuses des règles. Vous devez expliquer d'où provient votre approvisionnement et si vous mentionnez une société minière mondialement reconnue, les gens ne poseront pas plus de questions. Ensuite, vous achetez à des sources plus douteuses des ventes d'indices. Mais voici le truc, si vous achetez directement aux mineurs artisans, il est assez facile de faire le lien entre vous et les milliers d'enfants contraints de travailler dans ces mines. Donc, vous faites intervenir des intermédiaires pour collecter le cobalt, remplir les sacs et les transporter vers les camions. Les enfants congolais sont payés environ 1 dollar par jour. Chaque enfant déplace jusqu'à 240 sacs par jour, ce qui signifie qu'il gagne moins d'un demi centime par sac. Chaque sac pèse 40 kg, ce qui signifie que les enfants gagnent moins de 25 centimes par tonne. Car 1000 fois 40 équivaut à 25. Les intermédiaires revendent cette même tonne de cobalt à des intermédiaires chinois et indiens pour entre 500 et 7000 dollars la tonne. Ensuite, le cobalt collecté à partir de dizaines de mines à travers le Congo est mélangé ensemble et vendu à vous, le raffineur. Selon la pureté, vous pouvez obtenir environ 150 kg de cobalt pour 150 kg de cobalt pur raffiné à partir de chaque tonne de roche, de poussière et de sol extraites de la mine. Une fois qu'il est raffiné, vous pouvez vendre le cobalt à des entreprises comme Tesla, Dell, Apple et Microsoft pour le modique prix de 80 000 dollars la tonne. Même avec la marge bénéficiaire des intermédiaires, vous continuez à empocher des milliers de dollars de plus que si vous avez acheté auprès des mines officielles. Et la meilleure partie, c'est qu'il n'y a aucun moyen pour quiconque de prouver que vous saviez que vous achetiez à des mines qui exploitent des enfants. Ces enfants meurent pour moins d'un dollar par jour pendant que vous empochez des milliards de bénéfices chaque année. Mais bon, loin des yeux, loin du cœur, n'est-ce pas? Personne ne peut prouver quoi que ce soit. Et si quelqu'un dans le gouvernement de la RDC envisage même de dire quelque chose, vous savez exactement comment le faire taire. La corruption au plus haut degré. Voici la vérité. Ici, quelle que soit la qualité et la teneur en cobalt, ils achètent. Le marché noir, ça se passe très bien, c'est bien organisé, tu verras. Un marché noir protégé par l'État congolais. La preuve, c'est la garde présidentielle qui protège le siège de la société chinoise. Le gouvernement de la RDC sait que les enfants extraient du cobalt et en tirent profit. Des fonctionnaires gouvernementaux jusqu'aux agences de sécurité qui contrôlent l'accès aux sites miniers, tout le monde tire de l'argent de l'exploitation minière artisanale. Si des entrepreneurs veulent extraire, ils doivent soudoyer les soldats et les fonctionnaires. Si des intermédiaires veulent déplacer leurs produits, ils doivent corrompre les policiers pour pouvoir circuler avec du cobalt artisanal. L'exploitation du cobalt artisanal est devenue une entreprise très lucrative pour le gouvernement. Pourquoi quelqu'un voudrait-il y mettre fin? Et le meilleur dans tout ça, en tant que raffineur de cobalt, vous pouvez le vendre à qui vous voulez et ils ne cesseront jamais de vous acheter. Même si des grandes entreprises comme Apple, Tesla et Microsoft savent que le cobalt qu'ils utilisent est extrait par des enfants, elles prétendent simplement que ce n'est pas de leur responsabilité de savoir d'où provient le métal.
c'est de votre responsabilité. On leur a dit, vous savez qu'il y a du travail d'enfant dans les mines artisanales de cobalt? Vous savez que vous avez une responsabilité par rapport à ça? Et la plupart nous ont dit, nous on respecte la loi. Nous demandons à ces entreprises si elles utilisent du cobalt extrait par des enfants dans leurs produits. Elles reconnaissent tous les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, mais affirment exiger que leurs fournisseurs suivent des directives d'approvisionnement responsables. Et quand les gens commencent à vous poser des questions, eh bien, nous obtenons notre cobalt grâce à des intermédiaires. Comment sommes-nous supposés savoir d'où il vient? Et tous ces enfants congolais, eh bien, ils continuent de mourir pour que les gens, soi-disant éveillés en Occident, puissent être fiers de leur conscience verte lorsqu'ils conduisent leur voiture électrique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diaspora d'Art.